Chers amis, bonjour. Les observateurs que nous sommes ne sont pas les seuls à le penser. Vous le pensez, le staff du MHSC le pense et les joueurs, à plus forte raison, je ne vous dis rien. Oui, il faut faire le distinguo. Nous l'avons dit en amont du match contre Strasbourg, on le dit 15 jours plus tard, avant le nouveau match contre le Racing Club de Lens. Il y a en ce moment, en cette période de la saison, un différentiel à faire entre l'état d'esprit et la confiance. Alors l'état d'esprit, n'en doutez pas. Ces 15 jours de trêve nous ont confirmé une fois de plus que l'ambiance est très bonne au sein du groupe. Maintenant, la confiance, elle se nourrit de résultats, elle se nourrit de points. Et c'est là pour l'heure que la situation n'est pas une situation d'urgence, mais elle fait quand même réfléchir. Le staff en premier, et les joueurs certainement individuellement, chacun de leur côté. Nous sommes en déficit de points, nous n'avons gagné que 2 matchs sur 9, c'est peu. Alors, on ne gagne pas beaucoup, mais on ne perd pas beaucoup non plus. Bref, la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, il serait de bon ton maintenant de nourrir cette confiance de points et de victoires. Bien sûr, c'est l'objectif de tout le week-end, mais plus encore le nôtre aujourd'hui, à la 13e place, avec 10 points. 2 victoires, 4 nuls, 3 défaites. On pouvait s'attendre à mieux quand même. Alors, la problématique maintenant, c'est le Racing Club de Lens. Voilà une équipe qui, à contrario de la nôtre, a franchement surpris et en bien en ce début de saison. Ils sont dauphins du Paris Saint-Germain, mais attention, ils ont remporté 10 de leurs 18 points jusqu'à présent à l'extérieur, avec un nul à Rennes et 3 victoires à l'extérieur probantes s'il en est, à Monaco, à Bordeaux et à Marseille. Alors, évidemment, pas de quoi avoir la tremblotte avant le coup d'envoi de cette partie contre les nordistes, mais il va falloir bien se mettre en tête que ce match-là, à la Mosson, sera pas le plus simple à gérer depuis le début de la saison. Bref, c'est un bon challenge, et puis ma foi, ça permettra de voir si les 15 jours de trêve auront été mis à profit au maximum pour que l'équipe d'Olivier Dalloglio s'y présente. Le mordant, n'en doutez pas, avec la réussite qui les fuit quelquefois quand même depuis le début de la saison, ça, on croisera les doigts. Ce sera donc ce match contre le Racing Club de Lens ce dimanche. Le coup d'envoi est à 17h. Vous serez au stade ou en notre compagnie sur tous les réseaux du MHSC pour suivre ce match en live, évidemment. Il faut maintenant des points, il faut maintenant gagner, et c'est l'objectif, rien d'autre.